Lancement du live. Bonjour la planète, là normalement vous m'entendez, vous m'entendez pas juste avant, c'est pas normal. Des petits soucis de réglage encore, hein, mais bon, allez, on y est, c'est l'hyperpole, ça va être maintenant. Laissez-moi réajuster pour pas que je sois non plus trop surexposé. À condition que là aussi ça marche, pourquoi rien ne veut fonctionner dans ce monde. Ah, du coup ça fait guirlande, oh putain j'aime ça, c'est pas vrai, je vais y arriver hein. J'arrive. Ce live commence de manière beaucoup trop tôt. Enfin bon, bref, on y est. La séance hyperpole de ces 24 heures du Mans. Laissez-moi rattraper juste le chat. Bienvenue évidemment dans le chat. Du coup, hier on a vécu ensemble la qualification donc qui a déterminé les places à prendre pour l'hyperpole. Évidemment c'était une séance, bah, j'ai vraiment kiffé la vivre avec vous, donc c'était cool. Et là pareil pour l'hyperpole, je ne serai pas tout seul, encore une fois je serai accompagné d'Alex qui était là hier avec moi, entre autres. Du coup Alex, tu peux dire bonjour au monde entier hein. Bonjour, et précise bien lequel de Alex. C'est évidemment un souci. Vu que vous vous appelez tous Alex, vous manquez d'originalité, voilà. Au bout d'un moment faut... Hein? Mais bon, bref. Ouais, je vais baisser la lumière. Justement, c'est sur ce.
toute façon, j'allais vous parler justement de la séance d'essai libre 3 qui s'est déroulée cet après-midi de 15h à 18h. Le problème, c'est que le site ne fonctionne pas. Enfin, ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui est affiché. Du coup, j'ai pas les trucs en tête. Mais globalement, il s'est passé malgré tout quelques petits trucs. Alors, attendez, je vais régler d'abord ça, hein, parce que ça reste malgré tout important. Et ce serait bien que la caméra fasse elle-même aussi un petit effort, quoi. Hein. Ce serait pas mal. Ce serait point de refus. Ah ouais, je suis sacrément surexposé. Attends, on fait le réglage ensemble. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Mais bon, c'est cet écran qui envoie trop les watts là. C'est pas bon. Enfin. Du coup, je récupère le chat. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette séance de FP3 Qu'est-ce qui s'est passé durant cette séance de FP3? Eh bien, il y a eu deux cartons qui étaient quand même moyennement impressionnants, mais un autre un petit peu plus impressionnant. Le premier, c'est Rechat de Jérus avec le numéro 30, Duquesne Engineering, du team Duquesne, pardon, plutôt, qui s'est sorti. Il y en a eu trois. Le Duquesne qui s'est sorti au virage d'Indianapolis. L'avant était pété. Moins grave en revanche que la TDS Vaillante, la numéro 13, qui est partie très violemment avec une incompréhension en revenant sur un retardataire sur une GT et qui se faisait déborder par l'extérieur au virage du karting en approchant du virage Corvette. Donc la portion rapide hein, du troisième secteur. L'endroit, c'est entre le droit et le gauche qu'il s'est fait percuter. Il est allé taper de face le début des rangées des pneus. Du coup, la voiture est totalement détruite et je n'ai pas plus d'informations que ça pour le moment. En revanche, ce serait, j'espère pour eux, qu'ils arriveront à réparer à temps pour la séance de FP4. En tout cas, pour la qualif, je pense que ce sera un petit peu compliqué, un petit peu compromis. Voilà, attendez, je suis en train de finir les petits réglages. Rendez-vous, chers amis, voilà, de cette hyper pole. C'est la séquence. Voilà. Je regarde ma montre parce qu'il nous reste que 8 minutes. Absolument encore. D'accord, bon, il nous reste que 8 minutes. Et du coup, on ne sait pas si cette voiture sera en capacité de rouler ce soir. Ça va être compliqué parce que je pense qu'il y a tout un châssis à refaire et ça, c'est assez emmerdant. Donc voilà, il faudra surveiller ça de près. Cette voiture était qualifiée pour l'hyperpole d'ailleurs avant de se faire déclasser au milieu de la séance. Du coup, une voiture rapide qui était au volant de Mathias Bech. Et ensuite, on a une autre voiture, on a eu la Graf qui est sortie en fin de séance. La Graf qui est sortie justement à la sortie du virage d'Indianapolis. Du coup, on a eu des petits soucis. Je vais essayer de retrouver le classement de la FP3, mais j'ai l'impression que le site ne veuille pas vraiment être coopératif. Est-ce que Alex, tu as le retour vidéo? J'ai le retour du live et le stream que tu fais, enfin, le partage de la séance. D'accord. Bon, ben j'espère. En tout cas, on va basculer l'image. Donc pour le moment, on n'a rien hein, sur le site. On n'a pas de live timing. On espère que ça va venir. La séance n'a pas encore commencé, donc. Ouais, la séance va débuter dans un petit peu plus de 5 minutes. Voilà, bon, j'espère qu'on aura le live timing parce que c'est déjà beaucoup plus agréable pour vous. Mais bon, on va devoir, pour le moment, on va devoir faire ça. Et ensuite, on a eu, oui, il y a marqué Toyota en 3.26.7, hein, Kamui Kobayashi. 3.26.7, du coup, c'est le meilleur chrono. La numéro 8 n'était pas beaucoup, n'était pas vraiment pas loin du tout. Les Glicanos ont aussi répondu avec la 708 qui était 3e, mais 4e, on avait la 709 qui était en position d'améliorer mais qui s'est fait gêner dans la dernière portion. Ça arrive, c'est le Mans, c'est comme ça. Du coup, ce serait bien d'avoir le live timing. J'espère que ça va vite revenir. Du coup, voilà, on a eu un petit peu d'activité. C'était une séance qui a été malgré tout agitée avec pas mal de slow zone, mais il y avait malgré tout du travail. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah
Bref, voilà, bon, on en est là, on attend de voir. Donc, qui sont les qualifiés, hein? Est-ce qu'on a par exemple la résultat des. Fait le live, les résultats des qualifs? Non, on n'a pas le résultat des qualifs. Ah, ben, super, bah, allez niquer vos mères. Je vais essayer de le retrouver. Où est-ce que c'était? Bon, en tout cas, chez Hypercar, dans les Hypercar, dans la catégorie Hypercar, toutes les voitures sont qualifiées. Il y a 6 places, ils sont 5. Ça passe. En LMP2, deux têtes, il me semble qu'il y a la United Autosport numéro 23. Est-ce que la 22 était qualifiée? Je ne sais pas. Donc, petite réserve là-dessus. Il y a une Jota, la numéro 38, qui s'est qualifiée. Il y a la WRT numéro 31. Il y a la WRT numéro 41. La Real Team by WRT aussi qui s'est qualifiée. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Deux têtes, c'est compliqué de s'en souvenir, hein, pour être honnête. Je crois que la United numéro 22 n'était pas qualifiée. En tout cas, en catégorie GTE Pro, il y a toutes les voitures sauf la Riley qui n'est pas qualifiée, la seule voiture privée de cette catégorie GTE Pro. Et ensuite, en catégorie GTE AM, il y a l'Aston Martin Northwest, la numéro 98, qui est qualifiée. Ça, c'est clair. Et ensuite, difficile de dire. Hein, GTE AM, je n'ai pas les réponses. Mais dis-moi, Jules, oui. Deux points. Qui est qualifié en catégorie hypercar pour la super pour l'hyperpole? Eh ben, dis donc, monsieur la connaissance, vous me connaissez, enfin, vous avez peut-être la connaissance, mais vous n'avez pas les esgourdes pour écouter, parce que j'ai dit justement que les hypercars sont toutes qualifiées d'office parce qu'il y a 6 places et ils sont 5. Bon, on a le lifetiming qui est revenu et qui est reparti. C'est juste de créer du meublage. Redonne-toi Ikea. Putain, mais pourquoi? Ah, c'était revenu. Ah, là, je le vois sur le live, mais c'est vrai qu'il y a un décalage. C'était revenu, bordel. Bah, tu es là en bas, là, non? Ouais, je l'ai là en bas, mais c'était revenu pour l'autre affichage pour le live. Et c'est parti. Chier, bordel. Ouais, connectez-vous, putain. Attendez, je vais tenter une dinguerie. Et ça me les brise. Ouais, ça me les brise, hein. On va dire ça comme ça. Je vais essayer de vous retrouver live timing parce que là c'est assez emmerdant. Et non, le live timing il revient pas alors que putain, j'ai deux pages. Il y en a une où il y a tout. Il y en a une où il y a pas tout. C'est réservé à l'élite, hein, c'est ça? Ouais, faut se connecter. Le problème, c'est que si je me connecte, j'ai peur de faire une connerie en mettant. En affichant ton mot de passe et ton nom d'utilisateur, absolument. Ah non, 223 même pas personnes. D'afficher, j'ai peur d'afficher en fait le live. Mais le vrai live, quoi, la télé. Ah. Parce que si je fais ça, je suis mort. Alors, les voitures qui sortent. On a en tête une Toyota, suivie de la Jota. La Toyota numéro 8 aussi qui a un souci hein, durant la séance. Alors, là, j'ai le live qui s'affiche ici. Mais j'ai toujours pas le live timing, bordel. Mais bordel, putain. Mais comment ils font, les gens? Vous n'y pensez pas? Tant que la séance, elle commence. Ouais, on va attendre que la séance commence. Alors que Bruno Van Destik, peut-être que vous l'entendez gueuler. Dans le retour. Voilà, personne, je l'ai entendu, effectivement. Ah, ils sont bien, ça. Ah, ils sont bien, ça mort. Fabio Babini, bravo. Et j'ai le chat qui ne s'affiche pas comme il faut. Et ça commence à m'énerver. Comment ça qu'il ne s'affiche pas comme il faut? Et sur mon téléphone, il ne s'affiche pas. Donc bah, on a beaucoup de soucis informatiques. Alors, si tu veux, j'ai une technique, j'ai une solution, mais du tiers monde à te proposer. Qui est? Attends, vas-y. Le partage du retour. Partage du retour? Attends, parce que là, j'ai niqué le truc que nous, on avait. Du coup, j'ai tout à refaire. Et hier, ça marchait très bien. Je me suis pas dit ce sera la seule fois. J'aurais peut-être dû. Parce que là, on a tout perdu. Hein.
Ah! Bon, en tout cas, nous, on retrouve notre petit live. Je crois qu'on en est à 20... Et la United Autosport numéro 23 qui ressort. Et du coup, regarde, c'est maintenant que t'as le live. Maintenant que le chrono a débuté, tu as le live timing. Bah, j'ai le live timing. Ah ouais, là j'ai le live timing. Du coup, je vais pouvoir retrouver peut-être, je dis bien peut-être, quelque chose. Configuration de ce nom. Avec la voix d'Edouard Freitas qui dit 3, 2, 1, go. Alors Alex, est-ce que toi tu as accès à... Ah mais non, ce sera... j'ai un début de live timing qui s'affiche. J'aimerais retrouver la configuration... Ah oui, effectivement. Donc là, on a 30 minutes. Ah, du coup, c'est que les protos. Et du coup, c'est bien ce qu'on disait. Il y a 30 minutes. C'est bien ce que je pensais. Il y a 30 minutes pour les protos et 30 minutes pour les GT, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Bon, très bien. Log out, please. En fait, je suis obligé d'être connecté pour avoir le live timing. Je pense qu'il y a conflit d'intérêt entre les... le site en lui-même. Bon, je vais trouver une solution. Ah non, on a overall et là on a... Oh seigneur. Bon, il y a le site qui est en train de nous laisser tomber. Je me souviens que l'année dernière, pendant la course des 24 heures du Mans, le site a lâché plusieurs fois. Il fallait plusieurs fois réactualiser la page. C'est assez pète couille. Ah non, les GT elles roulent hein. Ah, j'étais à la roule, du coup, ok, c'est bon. Parce que j'avais que des protos qui étaient affichés. Ah, c'est bon. Ah, enfin, j'ai trouvé le live timing. C'est bon, mesdames et messieurs. Vous l'avez. On est heureux. Ah. Et non, je ne regarde pas sur Eurosport. Je regarde sur l'application. Sur l'application sur le site officiel. Où il y a toutes les rediffusions, les retransmissions. Plutôt. En direct. Sans aucune coupure de pub. Et. Avec la voix de Bruno Vandestick. Micro Vandestick. Sinon, maintenant qu'on a le live timing, voyons quelles sont les équipes. Ah oui, après ça marche bien, mais pas quand t'es en live. Alors, on a les deux Toyota, forcément, on va pas parler d'hypercar. On a la Prema, voilà la Prema, on a les deux United Tour Sport, on a la WRT31 et la WRT41. Et c'est tout. Voilà, pour ce qui est du LMP2, en GT Pro, évidemment, on a toutes les voitures sauf la Riley. Et en GT amateur, on a, du coup, vous pouvez voir la F-Corsair numéro 54, où c'est Nick Cassidy au volant. Alors là, forcément, on ne fait pas de changement de pilote, on désigne un pilote et c'est lui qui va faire, la qualif. Mikkel Jensen donc avec la GTE AM, la Ferrari du Kessel Racing le numéro 57, une autre Ferrari la F-Corsa numéro 61 avec Vincent Abril qui est en son volant. On a une Porsche, seulement une Porsche en GTE AM avec la Dempsey Proton numéro 77 avec Christian Reed à son bord. On a l'équipage 100% féminin avec Raël Frey, l'Iron Dam, la Ferrari numéro 85 de l'Iron Dams, Raël Frey au volant. Et on a Paul Dalla-Lana. Ah, c'est fou de mettre... Alors, je sais pas, ça m'étonnerait que ce soit Paul Dalla-Lana, sans déconner. Parce que je crois que c'est Nicky Team ou Marco Sorensen hein, qui est dans l'équipage. Et ce sont les plus rapides. Bon, Paul Dalla-Lana, pourquoi pas. Voilà pour ce qui est du GTE AM. En LMP2, nous avons donc au volant de la Prema, Louis de Letraz avec la Prema. Faut que j'aligne un peu le cerveau parce que là ça va pas et je suis en train de dire n'importe quoi. La United Autosport numéro 22 est pilotée par Felipe Albuquerque, le portugais. Alexander Lin, Alex Lin est avec la numéro 23. La WRT est pilotée par Robin French, la WRT numéro 31. Antonio Félix Acosta, Polman l'année dernière, hyper Polman l'année dernière avec la Jota, numéro 38. Et Norman Nato, pilote pour la Real Team by WRT, numéro 41 en GTE Pro, alors que les chronos viennent de se lancer, mais ça va, on a le temps vu que la piste est malgré tout très longue. En GTE Pro, la 51 est pilotée par Alessandro Pierre Guidi, la Ferrari numéro 51, la 52, la voiture sœur, est pilotée par Miguel Molina, l'Espagnol, la Corvette numéro 63 par un autre Espagnol, Antonio Garcia, la 64 est pilotée par Nick Tandy. Chez Porsche, la numéro 91, c'est Jimmy Bruni qui pilote et Michael Christensen au volant de la 92, alors qu'il me semblait que c'était Lorenz Ventor qui devait y être. Et bref, surprenant.
Je remets peut-être en question la fiabilité justement du live. Vous pouvez apercevoir maintenant le classement hypercar, alors que Kamui Kobayashi est en train de lutter. Et ouais, il a lancé un chrono pour la pole position. Kamui Kobayashi qui joue une cinquième pole position, qui égalerait, s'il y arrive avec cette cinquième pole position, il égalerait le record de Jack X. Et ce serait un record de faire 5 pole positions d'affilée aux 24 heures du Mans. C'est donc lui qui est au volant de la Toyota numéro 7. Brandon Hartley est au volant de la Toyota numéro 8. Au volant de l'Alpine, c'est Nicolas Lapierre. Olivier Pla au volant de la Glicanos numéro 708. Et Ryan Briscoe au volant de la numéro 709. Voilà pour ce qui est la présentation de des voitures de cette hyperpole. Donc 23 voitures en piste, il va y avoir de l'espace. Dis-moi Jules, est-ce que tu as le chat sur... est-ce que tu as réussi à retrouver le chat ou... Ouais. Ok, dans ce cas je vais fermer mon... Hop, ma technique. J'allais citer une certaine ethnie, mais j'ai peur d'avoir des problèmes. Ouais. Ne dis rien. J'ai déjà assez de procès au cul. Ouais, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si la BOP de l'Alpine est nulle. Ouais, l'Alpine est nulle en performance pure maintenant. Bon, la BOP et tout. Honnêtement, je ne les plains pas. Vraiment, je ne les plains pas. Mais c'est vrai que la BOP et même Toyota disaient que ce n'était pas normal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Attention, Kamui Kobayashi, ne pas se faire gêner par la Corvette qui s'écarte. La Corvette, c'était la numéro 63. Donc, c'est Antonio Garcia. Kamui Kobayashi est en train d'établir un chrono référence. Il est à Arnage, il ressort d'Arnage. Voilà, il arrive dans la section des S-Porsche. Alors, le live qui fait que sauter pour moi. Moi, il roulait très bien. Ouais, moi, il y avait des micro-coupures, c'était assez... Assez emmerdant. Mais là, ça devrait aller mieux. Oui, là, ça devrait aller mieux. Voilà, il arrive à la chicane Ford, Kamui Kobayashi. Un chrono en 3.26.611, c'est le meilleur chrono pour le moment. Meilleur chrono pour le moment. Ah, chrono de Kamui Kobayashi annulé. Ou le replay de la 709. Ouh, petite frayeur hein, pour la 709. Petite frayeur pour la 709. Ou en arrivant... au virage du pont, hein, petite frayeur. Alors, live timing, il m'annonce quoi? Il m'annonce pour le moment pole position de Ryan Briscoe, la 709. Pourtant, il s'est un petit peu raté. 50. Ouais, mais comme le tour de Kamui a été retiré. Ouais. Bon, petite frayeur pour Kamui Kobayashi. C'était en 3.26.611. Hein, Kamui Kobayashi, du coup, c'était le chrono le plus rapide pour le moment. 3.29.264 pour le moment, la pole position. Mais il s'est raté, Ryan Briscoe. On va attendre de voir comment ça va évoluer. En catégorie GT, pour le moment, c'est ce chrono de référence en 3 minutes 52 secondes, 965 millièmes pour Live Corse de Vincent Abril, la numéro 61. Est-ce que je compte commenter les 24 heures en intégralité? Non, je ne ferai pas de live pendant les 24 heures. À l'exception de la soirée, les 24. Sabogie, s'en sort comment? Alors, Sabogie n'est pas dans la séance. La Richard Mille n'est pas dans la séance, mais globalement, voilà, ça roule plutôt bien pour la Richard Mille, honnêtement, avec Lilou Wadou ou Sébastien Ogier, même si c'est Charmin Lézy qui, naturellement, avec l'expérience qu'il a par rapport à ses deux compères, ben, il arrive à pousser un petit peu plus. Mais très propre pour le moment, la Richard Mille, pas de problème. J'ai envie de dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. S'ils sont en embuscade, et ils sont bien placés, ils partiront 7e, ils sont arrêtés vraiment aux portes de l'hyperpole hier en qualification, mais globalement, voilà, c'est plutôt bien passé. Alors, Brandon Hartley qui arrive dans la section des S Porsche. C'est moi ou le chrono de la 709 a disparu? Le chrono de la 709 a disparu, effectivement. Et oui, il a coupé, à la sortie du virage du pont, à l'entame du virage. Du virage du karting, on a 3 minutes 25 secondes, 213 millièmes pour Brandon Hartley. Les chronos qui descendent.
Les Chrono Kids. Ah putain, ça c'est bon. Alors t'as eu une légère avance sur ton lifetiming du coup. Parce que moi je vois tout juste Brandon Hartley qui franchit la ligne du coup. Le classement GTEM me fait extrêmement plaisir. Ah, quadruplé Ferrari. Ah, ben triplé parce que la 54 vient de se faire retirer son chrono. Alors, Antonio Pretas, tu vas te bouffer un parpaing. Voilà, c'est noté, je le mets sur le post-it et comme ça, quand ce sera fini. En catégorie LMP2, pole position pour le moment de Antonio Félix da Costa en 3 minutes 30 et 313 millièmes. Kamui Kobayashi qui remonte au deuxième rang en 3:26-130. Kamui Kobayashi, un petit peu ouais, plus lent que la numéro 8 hein, pour le moment. Alors sacré chrono, je ne sais pas, hein, l'état en quoi la pole position Alex. Est-ce que tu peux regarder la pole position de l'année dernière? Alors, bon, laisse-moi juste ouvrir. La 709 qui est en train d'arriver avec Ryan Briscoe. 3 minutes 27 secondes, 235 millièmes. Et Nicolas Lapierre qui est passé 3ème en 3:26-568. Attendons de voir ce que va faire Olivier Plat. Alors, est-ce qu'Olivier Plat, il est en piste déjà? Est-ce qu'Olivier Plat, il est en piste? Oui, il est en piste. Il est dans son deuxième tour. Du coup, ce premier tour lancé, il a fait une 3:39-637 qui n'a pas été comptabilisé. On va attendre de voir hein, ce qu'Olivier Plat va faire. Cinquième temps pour Olivier Plat, 3 minutes 27 secondes, 545. Alors, les... C'est lent, mais on sait que... Enfin, on sait. Alpine a réalisé pour le moment entre 26,5 son meilleur chrono du week-end de la semaine. Et Glicanos était en 3,26 également. Donc on va attendre de voir est-ce que Glicanos va pouvoir passer en 3,25. Mais 3,25,2, je pense, ça va être compliqué. Hein, Toyota qui est en train de frapper vraiment fort. J'ai le temps de l'hyperpole de l'année dernière. On était en 3,23,9 pile pour la Toyota numéro 7. 3,23. Ah ouais, ouais, ouais. Mais je pensais ensuite, qu'on avait la battu, numéro 8 en 3:24-195, l'Alpine en 3:25-574, la 708 en 3:25-639 et la 709 en 3:27-656. Mais il y avait environ 3 secondes de différence entre le meilleur chrono de la qualification... Ouais, le meilleur chrono de la qualification pour la 7 et son meilleur chrono en hyperpole. La numéro 8, attention de ne pas se faire gêner par l'Aston Martin numéro 98 de Paul Dallana. Si c'est confirmé, c'est Niki Tim. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Et c'est Lorenz Ventor au niveau de la 92 et c'est Fred Makoviecki au volant de la 91. Voilà, je suis pas fou. Bon, c'est pas Miguel Molina, c'est pas au volant de la 52, c'est Antonio Fuoco, c'est James Calado au niveau de la 51. Et ouais, Garcia et Tandy sont confirmés. Voilà. J'ai bien fait de mettre des réserves sur le pilote de la numéro 98. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va avoir une amélioration dans 3:25-614 pour Brandon Hartley? Nicolas Lapierre est en légère amélioration, mais à une seconde 2 de retard après le deuxième secteur. Le deuxième secteur qui s'arrête au niveau de Milsan. Et j'aimerais bien que... Oui, la Toyota numéro 8 passée, Brandon Hartley qui n'améliore pas vite dans le secteur 2, dans le secteur 3, il a probablement été ralenti. Ouais, 4 dixièmes de déficit au niveau de la performance sur un tour. Attention, passage de Niki Tim, mais comme il était parti avec décalage... Ouais, je reviens un petit peu, je retourne mes esprits pour le moment, ouais, pole position en catégorie GTO Pro détenue par la Corvette numéro 64. On attendait peut-être un petit peu plus à 63, mais pour moi c'est à 64 qui est en pole. Pas de chrono vraiment solide pour les Porsche et pour les Ferrari, on va suivre ça de près. La Corvette qui est en chrono en 3:50-586. Amélioration d'ailleurs, ils sont tous les deux en amélioration hein, de beaucoup. 4 dixièmes pour la 64 de Nick Tandy, 3 dixièmes pour Antonio Garcia au terme de leur deuxième secteur. On va voir ce que ça va donner. Nicolas Lapierre qui semble au ralenti, non? Non, il rentre au stand. Ouais, il rentre au stand. La numéro 7 qui continue justement, le numéro 7. Alors, tu dis pas... Alors, attends... Tu dis pas un super temps des Ferrari et des Porsche, mais pour le moment, je crois qu'il y avait que les Corvettes qui ont réalisé un tour chrono. Ouais, 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 c'est pour ça. C'est pour ça, je viens de le remarquer, justement, j'allais me corriger. On temporise un petit peu, on essaie de se créer des écarts, peut-être. Encore dans le premier quart d'heure, pour une question de seconde, 40 secondes.
secondes. Allez, rapidement, Vincent, les Toyota pour l'instant. Alors, pour une énième fois, oui, il existe une application pour voir l'intégralité avec les commentaires français. Et c'est là où je regarde, c'est l'application officielle du WEC. Vous pouvez prendre le pack pour, uniquement pour les 24 heures du Mans. Alors, les Corvettes. Attendez, je vais commenter le live plutôt, ce sera plus vivant. Plutôt le live timing. Corvette, la numéro 64, en 350, 329, amélioration qui améliore du coup le 100 ans de la pole. La numéro 63 qui arrive justement dans la foulée. Merci Thomas. Effectivement, une voiture qui va s'alléger. Et les Corvettes qui surprennent. Sortie de la chicane du raccordement pour Antonio Garcia en 350, 467. Pas d'amélioration personnelle, mais pas d'amélioration au niveau de la place. Ça reste malgré tout premier et deuxième. Attendons de voir ce qu'ont fait les Ferrari et ce que vont faire les Corvettes. Est-ce qu'ils sont en train de lancer un tour chrono là, les Ferrari? On a Antonio Fuoco qui est en amélioration d'un dixième sur la pole position pour le moment. Antonio Fuoco au terme du deuxième secteur et James Calado qui est en train de le suivre à la sortie de Mulsanne, 10 millièmes d'avance. Pour le moment, on aurait la 52 devant la 51. On voit à quel point les Ferrari ont refait leur écart dans la section sinueuse comparé aux Corvettes. Enfin, dans la section un peu plus sinueuse. Ouais. Donc, à voir ce que ça va donner dans le troisième secteur. En tête, on a statu quo pour le moment. Statu quo, les LMP2 sont tout au stand. C'est reparti pour Nicolas Lapierre, c'est reparti pour les deux Glickenhaus. Les deux Toyota sont toujours en tête. On va remettre un petit splash and dash et puis on va repartir. Allez, attention de ne pas être gêné par Aston Martin de Niki Team. Ça m'étonnerait parce que Niki Team, il envoie du couscous aussi. Donc c'est compliqué. Niki Team, justement, qui n'améliore pas. Pour le moment, c'est 3 Ferrari aux 3 premières places en catégorie GTE AM. Mais pas de chrono enregistré pour le moment pour la DMC numéro 117. Le chrono de la F-Corsa numéro 54, qui est une Ferrari également, n'a pas été retenu. Il a été déclassé. Il est actuellement stand de Nick Cassidy. Et Niki Team, justement, est en train de réaliser son premier tour chrono avec l'Aston Martin. Alors, voyons voir ce que ça va donner pour Ferrari, les chronos. J'avais un petit peu d'avance au terme du premier secteur, du deuxième secteur. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu gêné. Je regarde le live timing, ouais c'est, ça reste derrière les Corvettes en 352-012 et 352-836, respectivement pour la 51 et la 52. À 2 secondes, ouais, à 2 secondes maintenant. Alors c'est vrai que Ferrari, on les voit un petit peu plus en retrait hein, depuis le début de la semaine, Mansell, mais attendons de voir ce que ça va donner. On a Lorenz Vantor qui est en train d'aligner un chrono. Fred Makowiecki, encore plus impressionnant, un dixième d'avance au terme du premier secteur. Fred Makowiecki avec la 91, la 92 de Lorenz Vantor, justement qui sort de la chicane, en tout cas pour ce que je vois, qui sort de la deuxième chicane. Alors on va attendre vraiment une vraie référence pour les Ferrari, parce que j'ai l'impression qu'ils ont levé le pied 2 secondes, se prendre 2 secondes comme ça, ça me paraît un peu bizarre. Il faut rappeler qu'il y avait Niki Team devant, Niki Team d'ailleurs qui a fait un chrono en 3 minutes 53 secondes, 578 millièmes. Ouais, beau chrono dans le deuxième secteur de la 92, presque 3 dixièmes d'avance dans le deuxième secteur. Ouais. 2 dixièmes d'avance pour la 92. 9 dixièmes d'avance pour Fred Makowiecki. Après le deuxième secteur, les Porsche qui se réveillent. Et on voyait justement à l'image Kevin Estre et Michael Christensen qui étaient en train de regarder évidemment Lorenz Vantor réaliser pour le moment un chrono convaincant, mais pas autant que celui de Fred Makowiecki. En général, on entend plus la 92 que la 91, mais ça reste malgré tout très serré. Si vous voulez vraiment vous caler par rapport à nos commentaires, on est à 11 secondes, 11 minutes, 17 secondes, 16 secondes, 14 secondes. Mais non, ça a sauté. On est à peu près dans ces eaux-là. Nicolas Lapierre qui est en train de chauffer les pneus pour aller, pourquoi pas, chauffer la piste. Alors, ce serait un hold-up, je pense, un petit peu d'Alpine de se mettre devant les deux Glickenhaus. J'attends vraiment la réaction des Glickenhaus hein, qui sont sortis justement, sont dans leur tour de sortie. Il va leur rester une tentative, je pense. Fred Makowiecki, c'est qui on est avec qui là en board? On est avec la 92 de Lorenz Vantor qui est dans les virages Porsche, maintenant dans les virages Corvette.
la chicane de la Maison Blanche pour Laurens Vanthoor, le pilote belge. Mais j'attends vraiment de voir ce que va faire Fred Makowiecki, hein, parce que ça a l'air d'être vraiment solide. Il sort de la chicane forte, chicane du raccordement pour Laurens Vanthoor. Et ce sera un 3 minutes 50 secondes à 147 qui le place 3ème. Attendons Fred Makowiecki. La pole peut-être ? Non, 2ème temps. Pour 48 millième, Maras, si c'est serré. Ouais, 3 minutes 50 à 177. Ils ont vraiment l'air de bien maîtriser le troisième secteur. C'est assez impressionnant. Du coup, on a les Corvettes et les Porsche intercalés derrière les Ferrari en embuscade. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on est un peu plus lent en qualif que tout est perdu en course. Même si on est plus lent en course, il peut se passer tellement de choses. Mais en GT, c'est vraiment très très serré. Donc on a 64 à 91, peut-être les deux dont on attendait le moins, hein, chez Corvette et Porsche. Devant la 63 et la 92. Les Toyota ressortent. Attention, les Toyota ressortent. La 41 en LMP2 est en run et sinon tous les autres sont en train de sortir. Va falloir surveiller aussi. Il y a beaucoup de choses à surveiller en GTEM. On va voir ce qui se passe. On a Nicky Team qui est justement en train de revenir. On l'a au virage. À la chicane de la Maison Blanche. Nicky Team qui est en train de revenir. J'ai l'impression qu'il est au ralenti. Nicky Team. Ouais, il est complètement ralenti, il a complètement lâché. Il se prépare pour une dernière tentative. Il s'est peut-être un petit peu raté, Nicky Team. Et derrière, il y a l'F Corse numéro 61 qui remonte et qui prend la pole position. Elle a pris la pole position, on l'avait déjà. Il me semblait que c'était la KSL. Non, elle était déjà, autant pour moi. La 52 qui repasse devant la 51. En fait, il y avait la pole position, mais il l'améliorait. Il l'améliorait, Vincent Abril au volant de la Ferrari numéro 101. Pas de chrono pour Aitiknel, justement, au volant de la DMC 77. Mais, il sort des stands, en fait. Il sort des stands. Allez, Olivier Plat, 4 dixièmes de retard après le deuxième secteur, avec la 708. La 709, 2 dixièmes de retard après le deuxième secteur. Et c'est qui qu'on suit à l'image pour le moment? J'ai pas réussi à voir, il me semble que c'est la 708. Il me semble que c'est la 709. Non, il me semble que c'est la 709. 709 devant la 708. La 709, elle est devant sur la piste. Allez, voyons voir ce qui va se passer. Il faut aligner un bon dernier secteur. 3,25, 213 à battre, hein, la pole position pour le moment. Allez, ils arrivent dans les S Porsche. Le virage du pont pour Ryan Briscoe, l'américain. Virage Corvette, virage du karting, virage Corvette, pardon. Allez, ça va peut-être aller chercher une première ligne, tout ça. Allez, Ryan Briscoe, Olivier Plat, il semble avoir lâché Olivier Plat, j'ai l'impression. Allez, dernier virage pour Ryan Briscoe. Allez, il faut un troisième secteur convaincant là pour aller chercher une bonne place. 3,25, 841, deuxième temps pour la 709 et la 708. 3,26, c'est un petit peu derrière, quatrième. Allez. Oula, je me suis spoilé un truc. 3,24 pour l'Alpine. Qu'est-ce Bruno Van Dessy, comment l'a gueulé. Oh, l'Alpine. L'Alpine qui sort du bois au dernier moment, voyez-vous, l'Alpine avec Nicolas Lapierre qui a réalisé un chrono en 3 minutes 24 secondes 850. Attention, la réponse des Toyota. Et je n'enterre pas encore les Glicanos, moi, je n'enterre pas encore les Glicanos. C'est serré, on n'attendait pas l'Alpine. Est-ce qu'ils auraient caché leur jeu? Les voyous. Ah, ça me ferait chier de voir Alpine. Je continue de déverser ma haine sur Alpine. Mais... Et Laurens Vanthoor qui passe 3 des GTE Pro. Antonio Félix da Costa. Alors, regardons la fin du tour de Norman Nato qui a fait des appels de phare pour ne pas être gêné par la GT devant. Dernier virage où il attaque très fort. Allez, Norman Nato, un chrono d'amélioration. Et oui, meilleur temps pour Norman Nato. En 3,26, 697.
3,26, 697 pour Norman Nato. Qui vient de prendre la pole position, la WRT, la Real Team by WRT numéro 41. Alors surprenant hein, cet Alpine, mais nous attendons de voir la réponse de Kamui Kobayashi. On a la Porsche 2 et 3, bien vu dans le chat. Oui, Lorenz Vantor qui vient de passer la Corvette numéro 63. Robin Fringe est en train d'améliorer sur l'autre, sur la numéro 31 du WRT. Exact. Avec un dixième d'avance au deuxième secteur. Antonio Félix Acosta avait fait un bon premier secteur, mais il a complètement lâché. Alors, Nato qui a collé. Il a collé 6 dixièmes, ouais. Mais attention, parce que là, ça a l'air de vraiment s'améliorer. Hein. Kamui Kobayashi, 2 dixièmes d'avance pour Kobayashi. Après le premier secteur qui s'arrête justement au virage du Start Rouge. Ryan Briscoe, 4 dixièmes d'avance sur l'Alpine après le deuxième secteur. Alors là, on a libéré vraiment, on est puissance maximum et attaque max pour les pilotes. Ouais, c'est les dernières minutes, donc il doit rester un ou deux tours. Allez, ouais, Robin Fritz qui prend la pole position pour le moment, 2 WRT en pole position en LMP2. C'est large. Il a vraiment attaqué Robin Fringe, hein, mais ça passe, c'est payant. Cette dixième d'amélioration, ça va très 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 vite. 3,28,972. Alors qu'on a Kobayashi qui va terminer le deuxième secteur. 5 dixièmes d'avance. Il est gêné. La Glicanos, elle est gênée par la Kessel. Quel dommage, fait chier. Il va être gêné aussi par la F-Corsa numéro 54. C'est dommage. Il avait 4 dixièmes d'avance, Ryan Briscoe. Il avait 4 dixièmes d'avance. Kobayashi est en train de mettre tout le monde d'accord, mais seulement 5 dixièmes. Ah là là ! Ah, quel dommage ! Quel dommage pour Ryan Briscoe ! Et là, il va avoir droit à un seul et dernier tour. Ouais. Quoique, peut-être même un deuxième si... Mais c'est dur, hein, vraiment. Le trafic qui fait sa loi aux 24 heures du Mans. On a la United Autosport numéro 22 de Alex... 23, pardon, d'Alex Lynn. Qui est passé à la troisième place. L'Alpine rentre au stand. Du coup, c'est terminé pour l'Alpine qui laisse son destin entre les mains des Toyota qui sont en amélioration. 5 dixièmes pour la 8 de Brandon Hartley et aussi 5 dixièmes pour la numéro 7 de Kamui Kobayashi. La 8 est en train de revenir. Attention de ne pas se faire gêner par la Porsche. Fait chier, on nous montre l'Alpine. La Porsche qui a gêné. Ouais, c'est fini pour la 8. Ça va être Alpine en pole position. La 7 qui va gêner entre la chicane Ford et la chicane du raccordement. Brandon Hartley. Est-ce que ça va suffire, Hartley qui prend la pole position. Non. Non, pour une seconde 2, il a loupé. Mais Kobayashi l'a pris. 3,24, 585 contre 3,24, 850. Kamui Kobayashi en pole position. Track limit pour Kobayashi. Ah, c'est okay, peut-être Alpine. Est-ce que ce sera la première pole position d'Alpine avec Nicolas Lapierre ou est-ce que ce sera la pole position, la cinquième pole position de Kamui Kobayashi, ce qui égalerait Jackie Hicks. Attention à la préma de Louis Deletra qui reprend peut-être du chrono, qui améliore son chrono, mais... Ah, il a coupé à la fin pour Louis Deletra. Ça fait un chrono qui le classe 3ème, mais ce sera déclassé. Il sera annulé ce chrono. Et je crois que les Corvettes maintenant sont repassées 1er et 2ème. Oui, deux Corvettes, deux Porsche, deux Ferrari. 3,49, on a passé la barre des 3,50. 3,49, 985 pour la Corvette numéro 64 de Nick Tandy. Antonio Garcia est toujours 2ème avec un 3,50, 177. Et Frédéric Bakoviecki qui rentre au stand. Il n'y aura pas d'amélioration pour la 91. Il faut surveiller la 92. Avec Lorenz Ventor, du coup, on a les deux Porsche et les deux Ferrari. En catégorie GTE AM, on a deux Ferrari, la F-Corsa numéro 101, la Kessel numéro 57. Et c'est Nicolas Lapierre qui, pour l'instant, à la poule, en effet. Et Kamui Kobayashi, éliminé, Kamui Kobayashi. Ouais, le tank a sauté, donc l'Alpine qui repasse devant la Toyota numéro 8. Il va rester une chance à Kobayashi. Et ouais, c'est ça, bien vu. La 709 qui améliore dans le deuxième secteur. La 709 qui n'a pas lâché. Et ouais, ça n'a pas rendu les armes. Attention, faut surveiller. Pour le moment, c'est l'Alpine qui a la pole position. Ils sont en stand, ils ne peuvent plus se défendre. Il reste Brandon Hartley qui a un chrono à faire. S'il n'y a pas de trafic, il reste aussi Kamui Kobayashi qui est dans un dernier tour.
Je ne sais pas où on est là, 708 d'Olivier Plat, par contre. La 709, donc il va pas tarder à boucler son tour. Ah, là, là. Non, pas d'amélioration pour la Philippe Albuquerque. Est-ce qu'il y a une amélioration pour Dacosta? Albuquerque, ah si, qui améliore, qui passe 5e, non? Et on va avoir la 709 qui va terminer son tour. La 709, dernier tour pour la 709. 3,25, 454, ça reste 3ème, ça reste 3ème, c'est terminé. Kamui Kobayashi qui continue son effort, 5 dixièmes d'avance. Brandon Hartley. Brandon Hartley, 6 dixièmes d'avance. Allez, là, sauf trafic, je pense que les Toyota vont aller chercher la première ligne. Exactement, exactement. Les deux Toyota qui se suivent. Je regarde même pas le left timing, je veux juste voir, je veux juste vivre. La 708 au stand. Donc, je veux juste vivre en direct pour les ce qui se passe. C'est les Alpines. C'était... Et la 7 qui va aller. What? Quoi? Ils lui ont redonné son chrono? Ils ont redonné son chrono à Kobayashi. Je vois Kobayashi de nouveau premier devant l'Alpine. Alors qu'il n'a pas encore terminé son tour. Ah, ils ont réactualisé. Allez, dernier virage pour Brandon Hartley. Chicane Ford. Chicane du raccordement pour Brandon Hartley. Drapeau d'Amiens agité, évidemment. Et c'est Hartley en 3,24-408. Kobayashi en 3,24-828. Il n'aura pas la pole position. C'est Brandon Hartley qui prend la pole position dans ses 24 heures du Mans 2022. Doublé Toyota devant une Alpine 3ème qui sort vraiment au tout dernier moment. L'Alpine numéro 36 finalement qui sera 3ème sur la 2ème ligne en compagnie de Ryan Briscoe de la Glicanos numéro 709. Et derrière on a la Glicanos numéro 708. Doublé Toyota, pole position de Brandon Hartley. Surprenant, vraiment surprenant, je m'attendais pas à voir ça pour Alpine. Un peu déçu pour Kobayashi, avoir une Toyota, j'aurais préféré que ce soit Kobayashi pour les stats, pour l'histoire. Mais voilà, c'est Brandon Hartley donc, qui est en pole position. Brandon Hartley, double vainqueur des 24 heures du Mans en 2017 avec Porsche. En 2017 avec Porsche et également en 2020 avec la Toyota. Et qui décroche la pole position. C'est sa première pole position, il me semble, aux 24 heures du Mans, Brandon Hartley. Ah, bravo à Toyota. En catégorie LMP2, doublé WRT également avec la numéro 31 de Robin Fringe. Devant Norman Nato avec la Rally Team by WRT. Et on a la Préma qui est déclassée, justement. Ce qui fait que 3ème, c'est la United Autosport numéro 22. Je m'attendais plus à voir la 23, pour être honnête. Mais la 22 avec Felipe Albuquerque qui a fait un super chrono. Pardon, j'ai oublié de dire la pole position de LMP2. Donc la Robin Fringe a réalisé une pole position en 3,28-394. En 4ème position, du côté du LMP2, on a Antonio Félix da Costa et Hyper Pullman l'an dernier qui finalement sera classe la Jota numéro 38, 4ème, la Préma de Louis Deletraz est à la 9ème position, mais elle est à la numéro 9 alors qu'elle est en 5ème position en LMP2 et en dernière position, 6ème et dernière position en Hyper Poll pour la United Autosport. En catégorie GTE Pro, c'est un doublé Corvette, la 64 de Nick Tandy en 3 minutes 49 secondes, 985 millième, la seule voiture à être passée sous la barre des 350. Derrière, c'est la Corvette numéro 63, devant les deux Porsche, la 91 devant la 92. Fred Makowiecki devant Lorenz Vantor et les deux Ferrari en embuscade avec pas mal d'écart, hein, les Ferrari. Qu'est-ce qui se passe pour la Ferrari? C'est assez impressionnant, en attendant de voir, on va voir évidemment le début de course. Demain, Ferrari peut se consoler avec un doublé en qualification en GTE AM. Vincent Abril, Paul Mann, le seul français dans cette hyperpole avec la Ferrari F-Corse numéro 101. La Kessel de Mikkel Jensen, numéro 57 qui est deuxième devant la DMC Proton d'Harry Tinknell qui n'a fait qu'un seul run et ça suffisait pour prendre le troisième temps. L'Aston Martin numéro 98 du Northwest AMR de Nicky Team, quatrième. Cinquième place pour la F-Corse numéro 54 de Nick Cassidy et l'équipage 100% féminin qui a réalisé une bonne performance hier en se classant en hyperpole et classé sixième avec Gael Frey avec un chrono en 3 minutes 53 secondes 869 millième. La pole position en GTE AM se place en 3 minutes 52 secondes 594 millièmes. Voilà pour ce qui est du classement dans cette hyperpole, mais on retient doublé Toyota, une super performance d'Alpine à souligner.
et de Nicolas Lapierre, je pense qu'il s'est, transcendé pour aller chercher ce chrono. Là, c'est beaucoup plus disputé pour la pole position que l'année dernière quand on voit les temps autour. Beaucoup plus serré. Moins rapide, mais plus serré du coup. Intéressant. Moi, je préfère quand c'est plus serré. Franchement, à l'œil, ça se voit pas qu'il y a une seconde d'écart. Hein. Voilà, mesdames et messieurs. On va attendre de voir un petit peu les réactions des pilotes. Ouais, on va attendre de voir la réaction des pilotes. Du coup, les poleman, les hyper poleman qui vont se diriger vers la cérémonie. Et dans une heure, un peu plus d'une heure, il y aura la quatrième et dernière séance de d'essai libre de 22h à minuit. Alors, voilà, ils ont bien caché leur jeu, l'Alpine, apparemment. Ouais, maintenant, franchement, j'attends de voir en course. Les Glicanos avaient l'air vraiment solides. Maintenant, on a l'impression, en termes de performance pure, qu'il en manque un petit peu par rapport à Toyota. Et Alpine, qui semblait plus en difficulté, peut-être, est-ce qu'ils ont caché leur jeu ou est-ce que c'est Nicolas Lapierre qui s'est vraiment transcendé ? À voir. Vraiment, ça risque d'être intéressant. Alors, la P1 de la Toyota, qui est de Brandon Hartley, qui s'est arrêté sur la grille, tout comme la WRT numéro 31. Elles seront rejointes normalement en théorie. Ah non, elle est au stand apparemment, celle de Vincent Abril. Il y a numéro 64 qui rentre au stand. Non, elle va devoir couper. Ouais, elle va couper, je pense. Rejoindre la grille. Non, elle a l'air de rentrer au stand. Et qu'est-ce que tu fais, Nick Tandy ? Drapeau jaune, d'accord. Ah oui, ils ont modifié la BOP, c'est vrai, j'avais oublié ce truc. Ils ont modifié la BOP pour Alpine au dernier moment, donc. 9 chevaux de plus et ça fait la différence. Mais tout à l'heure, j'avais cru apercevoir une Corvette couper l'entrée, un peu l'entrée des stands, enfin rentrer au ralenti en coupant l'entrée de la voie des stands. Ouais, en fait, je savais pas s'il devait aller, sur les grilles ou pas. Oui, il y a eu un petit ajustement de la BOP, il me semble. Bon, ben c'était intéressant. Moi, j'ai kiffé vivre ça en live. C'est trop bien de commenter. Alors, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. On va attendre la réaction des pilotes de Brandon Hartley. Je monterai le son exprès pour entendre Brandon Hartley. Ah, le 64 qui finalement a coupé. Hein. Bravo. T'en penses quoi, toi, de voir un doublé Toyota ? Je m'y attendais, franchement. Content et je m'attendais à ce que ce soit les Toyota en pole, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si serré pour la pole, justement. C'est, on va dire, relativement proche entre les Toyota, les Alpine et les Glicanos. Après, à voir ce que ça va donner en termes de rythme de course, les stratégies, comment elles vont se développer. Je sais qu'en général, j'ai appris en tout cas de la part du GT que un bon résultat en qualif ne signifie pas forcément un bon résultat en course. Mais donc à voir comment ça va se développer. Ouais, on dit dans le chat, maintenant pour Toyota, il va falloir gérer la course, c'est pas gagné. Je pense que ça va être serré. J'ai pas envie d'entretenir un faux suspense, mais ça n'a jamais été aussi serré depuis quelques années, je pense. Glicanos qui répond bien, Alpine on va voir. Mais bon, je pense que ça sera quand même Toyota qui va gagner. Attention, parce qu'il y a malgré tout pas mal de soucis. Hein. La 8, il y a eu pas mal de soucis cette semaine. Ouais. Faut pas oublier que l'année dernière, on avait eu un peu l'une des Glicanos qui s'était retrouvée un peu hors course d'entrée de jeu à cause de l'incident du premier virage. Donc à voir ce que, à mon avis, tout va se jouer au départ et ensuite on verra, je pense, au bout de la première heure comment ça va se passer. Ouais, il va falloir vraiment tirer, ça va être intéressant de voir. Alors, on attend les réactions des pilotes.
J'espère vraiment une open alpine. Oh putain. Ouais, je comprends, c'est le constructeur français et tout. C'est dommage que ce soit une LMP1 et pas une hypercar, quoi. Ça, c'est vraiment le... Alors, tu vois, ils auraient une hypercar, vraiment, je soutiendrais Alpine. Hein. Bah, après, je m'en fous. Genre, honnêtement, je les soutiens tous, plus ou moins. Hein, mais j'ai pas franchement de favori, en tout cas, en hypercar. Mais en tout cas, je ne serais pas remonté contre Alpine s'ils avaient vraiment joué le jeu. Et j'espère qu'ils joueront le jeu, parce que, bon... Alpine est très fiable, tu m'étonnes. La technologie, elle est éprouvée. Hein. Ça fait plus de 10 ans que ce concept il est en piste. Mesdames et messieurs, je profite aussi de cet interlude pour vous donner rendez-vous demain à 21h où on sera en live avec notre Alex, le Dormeur du Val, avec qui on a sorti la série, la mini-série du scandale des 24 heures du Mans. Le troisième et dernier épisode d'ailleurs sortira demain à 17h45. Et après, vous pourrez venir poser toutes vos questions sur cet événement compliqué, cette période vraiment compliquée des 24 heures du Mans. Et vous, voilà, on se donne du coup rendez-vous demain sur YouTube pour ce petit live. Voilà. Et on parlera également aussi des 24 heures de cette année. J'ai du mal à comprendre moi non plus hein, pourquoi l'Alpine est autorisée, mais bon, c'est peut-être pour faire le nom, je pense qu'il y a ça. Ah, pas qu'il y ait que 4 voitures. Ça aurait été bien aussi qu'ils en intègrent une deuxième, mais bon, je peux comprendre. Ouais. Allez, on veut l'interview du pilote. Oui, photo, ouais, Vincent Abri qui est toujours là. Dans la F-Corset. Alors, l'année dernière, c'était qui les Hyper Pullman? Bon, c'était comme Kobayashi avec la Toyota numéro 7. C'était Antonio Félix Acosta avec la Jota numéro 38 en LMP2. En GTE Pro, c'était Lorenz Vantor avec la Porsche privée, la numéro... c'était quel numéro déjà? C'était la Hub Auto Racing, la 72? Ouais, je crois que c'était ça. Et en GTE AM, c'était... C'était la Porsche DMC numéro 117 ou 88, voire même 89 de Julien Andlauer hein, qui avait fait la pole position. Non, je ne ferai pas de live pendant la course. Ça se verra peut-être dans les années à venir, mais pas de live pendant la course. Bon, ben on attend évidemment d'avoir des réponses. Évidemment, nous, on doit meubler, hein, comme d'hab. Petit point météo, Alex. Est-ce que tu as la météo, toi, pour dimanche, pour samedi dimanche? Alors, pour la course, j'avais regardé hier pendant la séance de qualification et j'ai revérifié aujourd'hui. Pas de pluie annoncée sur tout le territoire, donc... Pour avoir un début de course chaotique comme l'année dernière, faudra se brosser. Ouais, bah pour une fois, l'année dernière, on n'avait pas eu le départ classique. Un tour de plus sous safety car, un extra formation lap. Et au moins, on va pouvoir voir ainsi parler Zarathustra en arrivant à la chicane Ford. Quoi. Est-ce que je regarde la course en entier? Bien sûr que oui, que je regarde la course en entier. 24 heures, hein, 24 heures du Mans, c'est 24 heures devant l'écran à regarder. Hein. Ah, l'entièreté des 24 heures, à un moment donné, où on est obligé de se dégourdir un peu les jambes pour pas. Pour oui, pas oui, crever. Mais franchement, sur 24 heures, on doit regarder 23h30, tu vois, parce qu'on quitte jamais l'écran de trop loin. S'il y a quoi la différence entre 3.14 en 2017 et 3.24? Ben, c'est tout simplement pas la même réglementation. Avant le 3.14.7 de Kamui Kobayashi en 2017, qui est actuellement record de la piste, c'était la réglementation LMP1. Vous voulez savoir à quoi ressemble une LMP1, vous regardez l'Alpine.
L'Alpine est hybridée pour ressembler aux autres à la nouvelle réglementation, à l'hypercar qui est moins rapide. Mais la LMP1 était vouée à mourir en fait. Donc pas le choix, il fallait renouveler le règlement. C'est ça, le sport auto, c'est renouveler régulièrement les règlements. Et maintenant, c'est une hypercar. Donc, allez, on a un petit peu GTifié les prototypes, pour vraiment vulgariser et simplifier la chose. Et ça attire beaucoup de constructeurs. C'est pour ça que beaucoup de constructeurs vont revenir. Alors, le poids, beaucoup moins de puissance, et l'aéro aussi est revu. Hein. Donc voilà, ce qui change par rapport à en 2017. C'est pour ça que les chronos sont moins rapides. Honnêtement, ça ne se voit pas tant que ça sur la piste. Alors, quelle évolution particulière poids-puissance? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête, mais clairement, oui, ça change. J'ai pas les chiffres en tête. Alors, les pilotes sont rassemblés sur la grille de départ, sur la ligne droite des stands. Et en attendant d'être interviewé, on espère, on attend. Hein, je commence à avoir faim, j'ai envie de bouffer. Voilà les photos politiques pour montrer. On est Docteur Ulrich, directeur emblématique d'Audi. Ça, mais bon, c'est quoi déjà le nom de Docteur Ulrich? J'ai oublié. T'as pas la réponse? De quoi? Le nom du Docteur Ulrich, le prénom? Non. D'un prochain label 9X8 va mettre tout le monde d'accord si ça se trouve. Je suis moins sûr de ça. Moins sûr de ça. Voilà, attends de voir. Si le concept est prometteur, déjà, ce sera une énorme victoire. Hein. Non, mais attends, Jules, aux essais, ils ont dit qu'ils allaient 2 secondes plus vite que la Toyota. Mais ça, c'est l'humilité à la française. C'est l'humilité à la française. C'est... Ou on se la pète, ou on s'arrange pour que les règlements viennent à soi. Chose que Peugeot a beaucoup fait quand même. Genre en groupe B, genre à Pikes Peak, genre au Dakar, genre aux 24 heures du Mans, genre à l'hypercar. Voilà. Pas hypercar, non, le MP2 et le lobbying diesel et l'HD, tout ça. Wolfgang Ulrich, merci Anthony B. Et Romain Moreto Capel. Oh, on a Tom Christensen qui nous fait... C'est une pub pour Lex, j'imagine, I guess. On veut les interviews des pilotes! Oh, la glissade de la Ferrari! Oh, la SRT 41! C'est une pub pour Lex à tous les coins. The precision, the fine tune of the precision. Et c'est prêt pour Superman. Après, je pense qu'il peut un petit peu se la péter quand même, Tom Christensen. Ce mec, il a tellement de montres Rolex à son bras qu'il peut plus sauter. J'ai vu la nouvelle LMDH de Cadillac, elle est sympa. Moi, j'aime bien. Je regrette un petit peu l'Aston Martin Valkyrie là. V12, ça aurait été beau. Mais bon, vu qu'ils sont revenus en Formule 1, ils ont annulé le projet. C'est dommage parce qu'elle fait un super beau bruit. Et ça aurait été sympa. Oh, j'adore ces vieilles images. Les images qu'ils sont en train de diffuser là, je kiffe sa race. Oui, bon, la voiture que j'aurais adoré voir. En hypercar, c'est la Bugatti Bolide, ou la Bolide, je sais plus comment il l'appelle. Je connais pas. Elle est incroyable.
Je suis très mauvais en automobile, moi. Non, rien à foutre de l'automobile. Par contre, le sport automobile, oui. Bah, la voiture, elle a clairement un look type hypercar qui pourrait s'engager en hypercar. Ah ouais? Ah ouais. Comment tu dis qu'elle s'appelle Alors, je crois que c'est le bolide ou bolide tout court. J'ai plus le nom exact. Bugatti Bolide. Oh oui, sympa. Ça, j'aime bien, tu vois. Alors que pourtant, de base, j'aime pas. Généralement, j'aime pas les Bugatti, tu vois. Je trouve que ça fait trop. Oh, c'est vers des voitures et tout. Des voitures. Moi, je préfère ça en mode hypercar. Oui, non, clairement, elle est jolie. Hein, clairement, elle est jolie. Bah, c'est vraiment l'image qu'on se fait d'une hypercar. Hein. Pour le coup. W16. Wow. Éthanol, 1600 chevaux et 1450 kg. Putain, c'est lourd quand même. Après, t'as les poneys pour les pousser. Ah, la cérémonie après 1h30. Et ils avancent en ligne. Tels des gladiateurs pour rejoindre d'un plus près les photographes. Les hyper poleman de leur catégorie respective. J'ai nommé la Toyota numéro 8, la WRT numéro 31, la Corvette 64 et la F-Corse Ferrari numéro 61. J'imagine que sans les images, c'est beaucoup moins impressionnant. Mais bon, on s'en fout, c'est comme la radio. Voilà, bravo les gars, vous êtes hyper poleman. Bon, WRT, il va falloir les arrêter à un moment donné, parce que là, ils sont très rapides. Ouais, je vais pas le mettre, parce que ça réverbère même pas. Une dernière exceptionnelle, pilotes, mesdames et messieurs, qui descendent à l'instant de leur voiture, même vous devant vos écrans. You can applaud them. D'accord, ouais, je vais quand même le baisser et au cas où je tendrai l'oreille pour montrer. Vous pouvez célébrer enfin après avoir cuit dans vos cockpits là. C'est jamais agréable d'attendre. Vraiment, c'est jamais agréable. Ouais, bravo Brendan Hartley, hein, vraiment belle perf. Oh, joli. Alors, on va voir la réaction des pilotes. Mais le truc, quand tu partages ta. Enfin, le live timing, tu partages la fenêtre ou l'écran sur le live? Ouais, le live timing. Je partage la fenêtre et j'ai une deuxième fenêtre ou celle que je te partage. Ah, alors, voyons voir qu'est-ce qu'il va dire. Donc, justement, c'est monter le son. Je pense que ça, Gérard Larousse. Sinon, c'est une Marshall de cette année. Ah, c'est Gérard Larousse, je l'ai. Putain, je suis con. Ouais, mais c'est grippe. Ah, oh, mais j'ai pas regardé à ce moment-là, tu vois. Gérard Larousse, deux fois vainqueur des 24 heures du Mans, avec Henri Pescarolo chez Matra en 73 et 74. Si je ne dis pas de bêtises. Il faut que j'achète. Par contre, d'ailleurs, tu as du mal à parler anglais. J'ai envie de dire comme tout bon français qui se respecte. Voilà. Il est pas mauvais, il est français, c'est tout. Et à côté, on a Pierre Fillon qui vérifie que tout se passe bien. Allez, micro Van de Stick, fais-nous rêver! Alors, je vais tendre l'oreille pour voir ce que vont dire les pilotes. La réaction des pilotes, après on se quittera après la réaction des pilotes, justement, les hyper poleman de ces 24 heures du Mans, ces 90e 24 heures du Mans. Bueno.
Non, je ne serai pas en live pour les essais libres 4. Ah, pour Vincent Abril, l'hyper Paulman. Il est content. Et il peut. Bravo. Remise du trophée de la catégorie LMP2. Le trophée est remis. Remis par les Gérard Larousse aux mains de Robin Frange, vainqueur des 24 heures du monde l'année dernière, vainqueur du championnat du monde d'endurance l'année dernière et vainqueur de la dernière course justement du WEC lors des 6 heures de Spa, qui avait même mené la course. Alors, remise du trophée du GTE Pro et pole position de Nick Tandy, Nick Tandy qui a gagné les 24 heures du Mans au général en 2015 avec Earl Bamber et Nico Hülkenberg. Vous pensez qu'il a payé le costard, Fillon ? Oh non. Non. Ah, peut-être. Je sais pas. Puis s'il me dit oui, franchement, ça va pas me refaire la journée. Et la pole position, le trophée remis entre les mains de Brandon Hartley. Bravo Brandon! Le kiwi. Présentez les trophées, oui! Bon, si dans 5 minutes, il n'y a toujours pas le début des Bignou, fait des interviews, ben moi. J'arrête le live. Incroyable. Les belles images, incroyable, putain, c'est fou ce qui se passe. Il commence à interviewer Vincent Abril. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Oui, pour Philippe, toute l'aventure qu'on a construite ensemble depuis le début, c'est exceptionnel. Et voilà, j'ai vraiment fait un gros tour, comme on dit, là, j'étais vraiment content. Bon, Vincent Abril, très content. Il m'a l'air sympathique, ce mec. Bon. C'est quoi, ça a l'air d'être un peu lent. Et j'ai commencé à vraiment avoir trop faim, donc on va bientôt s'arrêter là. Ouais, parce que le temps qui passe après pour arriver à Brandon Hartley, vas-y, on en a pour un petit moment. Enfin bon, bref, tout ça pour ça, du coup, hein, comme on peut dire. Du coup, on revient voilà, sur notre affichage. Du coup, Alex, merci d'avoir été là pour m'accompagner pour cet hyperpole. Oui. J'espère que... Ouais, non, c'était sympa. Hein. Encore une fois, c'était sympa. Nous, on se retrouve très bientôt en VOC sur Discord pour vivre ces 24 heures du Mans. Il faut créer les salons si ce n'est pas déjà fait. Oui, effectivement. Voilà. Quant à nous, mesdames et messieurs, on se retrouve demain à partir de 17h45 pour la sortie de la troisième vidéo. Enfin, la vidéo, elle sort, on ne se retrouve pas en direct, mais voilà, la vidéo, elle sort à 17h45 demain, le troisième et dernier épisode du scandale des 24 heures du Mans. Soyez au rendez-vous, par contre, demain, en direct, à 21h, avec Alex, le dormeur du Val, pour répondre à toutes vos questions sur, justement, cette période très sombre des 24 heures du Mans. Rendez-vous demain. J'espère que ce live sur cette séance d'hyperpole vous aura plu. En tout cas, moi, ben, j'ai bien kiffé. Et du coup, on se fait des bisous. Passez une bonne soirée. Bonne séance de FP4 pour ceux qui la regarderont. Et à demain.